Du coup, la musique est peut-être un peu trop forte. Bonjour tout le monde. Voilà, ça va être mieux. Salut tout le monde. Je vais en... Tac. Petit réglage. Salut Zéoï, salut Eximus. Bon, petit test de connexion. Puisque, bon, j'ai des soucis de connexion, hein, donc on va tester ça. pas mal la cacahuète avec les lunettes de soleil. On va tester ça ce matin, normalement je live l'après-midi hein, de 14 à fin tard. Mais de toute façon cet après-midi je dois partir, donc c'était plutôt un 14-17. Mais comme j'ai des gros problèmes avec la chaleur pour live, bah, j'ai dit je vais me faire un petit test ce matin pour voir si ça tient bien. Hier j'ai eu une coupure en plein, paf, à 5h30. Pof, coupure. Salut Mokiti. Et bah c'est un peu en kikinant. Hop, allez, on va sur le serveur. Alors du coup, je sais pas ce qu'on va faire ce matin, puisque c'est un test. C'est susceptible de casser à tout moment. C'est cool. Déjà, j'ai 5 barres. On va dire, je vais dire bonjour sur le serveur et puis merci Scoviette, coucou à tous, bah, coucou à toi et merci pour ton 4e mois, un gros bisou, merci pour le soutien. Salut Luciole. Les petits 14 fps, 16 fps, 15 fps. J'ai changé d'Optifine, hein, je suis passé à la dernière version, la G2, la Ultra G2. Mais au niveau fps, bon, ça c'est l'aspect client, c'est uniquement l'aspect graphique. Je pense pas que ça soit lié à la co. Est-ce que c'est mes fleurs? Salut Epic Trollpot. Salut Michel. Philippot. Et salut Xil, merci pour le suivi. Bienvenue à vous. Alors, petit test de co du matin. Pop, 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 pop. Ah ouais, les FPS. On va aller voir du côté des fleurs. Après, il faut peut-être que tous les chunks se chargent. Hein. J'ai plein de chunks update. Alors, quand je regarde les fleurs, je suis même plus. Je suis à 23, 31, 40. C'est en train de monter. C'est peut-être le. Il faut que ça chauffe. Hein. Minecraft, Minecraft c'est comme du diesel, faut que ça chauffe. Salut, salut Fredo, c'est le Samba Faithful le Epic, mon pack de textures. Donc le Samba Faithful pour la version 1.16. Salut Axco. Donc là je suis à 38, 50 fps. Tiens, quand on est en F3, on n'a pas la minimap. Ah, oui, mais normal, vu qu'il y a des trucs à afficher. Donc au niveau de la fleur, c'est bon, hein. 52 FPS, 44 FPS, 50, 55, ça fait pas laguer, hein. Hop, pardon. Ouh, là. Bon, ben ça y est. C'est pas vrai. Hop, c'est reparti. Bon, je me demande quand même si c'est pas mon matos, c'est le routeur là qui s'est arrêté. Plaque. Donc c'est pas lié à la ligne. Bon, j'ai ma carte SIM qui est complètement rayée aussi. Tuc, tuc, tuc. Je vais peut-être en demander une neuve. Bon, ça, là, je suis reparti dans les bons taux. Pop, 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 pop. Tac, 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 tac. Oh là 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 là, le problème matériel, c'est vraiment la galère. Hein. Bon, on va voir si ça tient ou pas. Salut Yadia. Salut Jacques Ananas. Oh bon. Bon, il va être temps de boucher ce trou là, tiens. Voilà. Ah ouais, il y avait un accès ici au... Bah on va aller chercher du sable, tiens, puis on va aller boucher ce truc là, ça m'énerve. Bah du sable, il y en a là partout.
va pas s'embêter. Alors on va peut-être pas le prendre du côté de la fleur. Refredo, Rerazunt. Ici on peut en prendre. Ça pose pas de problème ici. Allez, hop. Il faut pas forcément beaucoup. Hein. On refait une petite courbe naturelle. Voilà, hop, 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 hop. Ouais, du coup j'avais viré la musique. Je vais la remettre. Au passage, on remet des torches. Hop. Pour reprendre un petit peu ici de sable. Il suffit de remettre des torches. Hop. Ah, là. Hop. Hop, salut Renaud. Donc ce matin, programme, on teste la co. Vaste programme. Hein. Non, on va faire des petits trucs quand même si ça tient. On va regarder si ça tient. Hein. Et si ça tient, on va aller se faire quelques petits trucs. Il y en a qui stream, on va peut-être aller les embêter. Bon voilà, je pense que j'ai assez de sable. Ouais, deux stacks. On va aller reboucher le trou dans lequel je viens de tomber. On va libérer du coup les hommes de fer. Ta ta ta. Oui, en fait, il pourrait partir. Ah, c'est pas celui-là. Attends, c'était où? Ah, c'était ici. Bah, ceux-là aussi peuvent partir. Pourquoi ils restent peut-être parce qu'ils ont, ils calculent qu'ils ont un accès au village et ils veulent pas partir, peut-être. Si je ferme tout, bon là. Tiens, pourquoi c'est tombé? Il y avait pas une barrière? Et mon stack, il va y passer à ce niveau-là. Va m'en falloir encore d'autres. Hop 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 hop. On vire ça. Ah cool. Vive le sable. Du coup ils sont partis. Ils sont partis vivre leur vie. Bah lui, il faudrait que je le libère aussi après coup. Alors, on en était où? Voilà, ça fait un peu plus. On va enlever ça, tiens. Voilà, ça fait un peu plus naturel. On va casser cette celle-là. Hop. Allez, toi mon bonhomme. Il faut que tu partes. Voilà. Voilà. Allez, pousse-toi, mais pousse-toi. Faut pas hésiter à les pousser, ces bestioles-là. Hein. Voilà. Bon, bah, hey. On a bouché tous les trous. Non, il y en a encore là. Enfin, là, ça fait pas joli, quoi. Non, j'ai pas fini la boutique. Bah, j'attends de voir. Comme en plus, je vais essayer de faire une cinématique. Un temps accéléré, un time lapse.
in English. Il faudrait pas que Mako soit erratique parce que sinon ça morcelle. Je sais pas si vous avez vu la. Non, vous avez pas encore vu l'épisode sur la fleur. J'ai galéré. Hein. Tiens, ça on va le masquer un peu, c'est pas très joli. Hop. Où je voulais en remettre? Non, c'est bon là. Ça fait plus trop. Voilà, c'est pas très. C'est pas très doux. Mais bon, ça passe. Là, ça passe. Ici. Ouais, quand il y a des carrés comme ça, vaut mieux les supprimer. Bon, c'est pas mal. Là-bas, il y a un carré. Tac, tac. Allez, on met ça. Ça fait tout de suite mieux. Bon, bah, je pense que c'est bon. Salut Matt Crafter, salut Kamok. On va peut-être aller y bosser sur la on va peut-être aller y bosser sur la boutique. C'est vrai qu'il faudrait que ça avance. Hein. Et pop. Tac, tac. Faudrait que je finisse Stonehenge aussi. Hein. Alors au niveau FPS, bah là on est pas mal. 40. Ah, petite descente à 25, 31, 23. Ah, c'est pas mal. On a aussi une montagne à éradiquer. Mais bon, si je l'enlève, je la fais pas avec des machines. Hein. Je fais tout ça à la main. À la pioche en. Est-ce qu'il arriverait à rentrer lui? Non, il passe pas dans ces portes-là. Il passe pas dans les portillons, Petite pause à la fraîche en attendant de retourner sur ton toit. Oh là, Gandulf. Sur le toit en cette saison, j'espère que t'es en Bretagne. Salut petit pilon, salut Barbujon. On peut le prendre en laisse le temps. C'est à quoi ce qui nous tape, hein. Non, mais je le laisse libre. Ah, tiens, celui-là. Comment il a fait pour arriver? Non mais franchement, il y a qu'une seule porte, c'est fermé. Il n'y a pas de bloc sur lequel tu peux monter. Comment t'as fait pour rentrer dans l'enclos? Franchement, hein, franchement, tu mériterais que je te casse pour récupérer les lingots. Bon, on va le libérer. Hein. Faudrait que je mette une double. De toute façon, en niveau bestiaux, je garde plus que les vaches. Tous les autres bestiaux sont libres. Hop. Donc je garde les vaches parce que c'est plus facile pour les reproduire et avoir du cuir pour faire les livres. -28 degrés dans le Pas-de-Calais. Bah, et ça va chauffer, non? Ils annoncent pour demain, je crois, la canicule, que le nord passerait en rouge, enfin le nord de la France. Puisque là, actuellement, c'est la Seine-Maritime qui morfle le plus. Moi, je suis dans un coin très chaud aussi. Bon, les golems, de toute façon, c'est abusé. Hein. J'en ai partout. 1, 2, 3. C'est peut-être ça qui fait laguer aussi. 4, 5, et il doit y en avoir 2 autres en liberté, hein. Il y en avait 3 dehors. Un autre encore ici. Ah ben là, s'il y en avait un qui est là dehors. Je dois en avoir une dizaine, je pense, dans tout le village. Encore un là. Ça va falloir que j'atténue un peu les pentes aussi. Mais ça va pas être évident. Hop. Encore un autre là. Et puis j'en ai un dans la salle au trésor. Voilà, il est là. Salle au trésor, salle des coffres. Bien sûr, hein, vous aviez corrigé de vous-même.
Bon, ça a l'air de tenir le coup, ce coup-ci. Bon, ça s'était planté au bout de 11 minutes. Et je pense que j'ai des faux contacts à cause de ma carte SIM que je partage entre mon téléphone et le routeur. Et entre autres, de temps en temps, schlac, ça coince. Allez, on fait pas un quoi qu'on fait, hein. On va aller bosser sur la voiture. Donc maintenant on descend plus, hein, pour aller au. Là en fait c'est l'accès à la mine, c'est plus du tout l'accès au portail. L'accès au portail, il est en sortie de village. Donc d'ici, il faut que je remonte. Pop, 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 pop. Ou alors que je passe par mon super truc de jump. Mais je suis pas en forme aujourd'hui. C'est le rétro. Du coup, ma salle des coffres est bien protégée. Ouais. Donc là, on fera un petit chemin. Bon, Stonehenge. Aïe. Je compatis. Et je pense qu'il y a des problèmes un petit peu partout. Donc là, on fera un beau petit chemin. Parce que là, actuellement, c'est un petit peu. Et puis, on aura notre portail qui va être là. Donc, c'est encore à finir. Faut que je monte les pierres là-bas. Que je rajoute des fleurs, de la végétation. Ah, il faudrait que je trouve de la liane. Comment je vais pouvoir faire ça? Avec des cisailles? Tiens, on va aller faire ça avant d'aller faire le. Je veux dire l'œuf de pierre parce que Henge c'est pas œuf, non, ouais, Stone. Et merci Gandulf pour ton Twitch Prime. Merci à toi, merci de partager avec moi ton Twitch Prime du mois. Oh là là, ils sont encore en train d'essayer de tout péter à la maison bleue. C'est un village hippie, hein, donc on a une maison bleue. Merci. Hop. Des cisailles. Bon, on peut s'en faire, hein, des cisailles. Ça, je vais aller le mettre dans la salle des coffres. Ah ben, il y en a là, voilà. Donc en espéranto, des tondilo. Donc un outil pour tondre, à la base. Mais bon, là c'est pour récupérer des lianes. Salle des coffres, je vais aller mettre mes bouts de bois. Il faut que je mange. Petit peu de brandade. Bois. Ah ouais, j'ai pas encore mis le bois. Ouais, c'est ici. Ok, toc toc. Bon, j'ai ce qu'il faut en barrière, hein. La cisaille, j'en ai encore là, tiens, je peux les. Voilà, on va les réparer pour en avoir des un peu plus costauds. Allez, hop, 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 hop. On va se dépêcher avant la nuit. Hop, hop, hop. Oh. Et donc, j'ai des jarres de la jungle, donc je dois avoir des lianes. Il suffit que je les coupe en bas, ça va repousser. Pop. Ouais, nickel. Vous me confirmez que ça repousse après? Hop. Après, je vais pas en mettre de trop non plus, hein. Faut pas que ça soit la jungle Stonehenge. Oh, il y en a partout. Si je coupe là, j'en récupère pas deux. Je les coupe comme ça. En même temps, ça lui fait une petite coupe de printemps, quoi. Ça rajeunit un petit peu la végétation, quoi. J'en ai combien? 27? Oh, ça me suffit. Ouais, il est joli le cœur, hein. Hop. Il est pas mal aussi vu de haut, hein.
Holy Cube, saison 5, c'est la saison du romantisme. Le petit cœur. La petite fleur. Où s'arrêtera-t-il? Bon, après, il va me falloir plus de terrain. Hein. Bon, ça va passer la nuit. Pop, pop, pop. Donc Zéoï nous dit que ça repousse. J'en ai un là, hop. On va prendre les élytres. Ça sent le... Vous le sentez le gars qui a pas envie d'aller bosser? Est-ce que je peux m'envoler d'ici? Ah bah non, j'ai mis des... Ah bah si, si si, ça doit le faire. Faut juste que je les mette. J'ai de la potion descente lente. Donc voilà, le cœur est là. Et je trouve qu'en relief, il est pas mal du tout. On va monter. Allez, on est à 250. Hop. Waouh. Waouh. Et on atterrit sur la fleur. Bon voilà, c'était l'intermède. Où est-ce qu'on va atterrir? Tiens, ici. Hop. C'était l'intermède aviation. C'est quoi la marque à côté du cœur? Il n'y a rien à côté du cœur. Salut Mister Panda. Et bon courage Gandulf. Et puis je referai un test à 14h. Là je vais essayer de streamer jusqu'à midi. Je referai un test jusqu'à 14h. À 14h jusqu'à 16h30, jusqu'au goûter. Après je dois filer, alors hop. Allez, on va ranger nos affaires. Ça s'use vite, mine de rien. À droite en haut. Ah, ça, c'est le symbole de la paix. Et pas de l'amour, hein. Que de la paix. Le symbole de l'amour, c'est le cœur. C'est le symbole de la paix des pacifistes, enfin surtout anti-nucléaires. C'est-à-dire anti-nucléaire militaire. C'était pour le désengagement, le désarmement nucléaire au moment de la guerre froide entre les États-Unis et la Russie, que avait été inventé ce logo, qui ensuite un peu été repris par le mouvement hippie, et où là on l'a associé à l'amour, paix et amour, alors qu'à la base, bon, c'était plus uniquement la paix. C'est pour ça que j'ai fait les deux du coup. Hop, tiens, ça je vais aller le mettre du côté de Stonehenge. Hop. Ouh. Allez, un peu de jump, un peu de saut. Pop. Oh là 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 là. Je m'entraîne hein, pour battre Aurélien. Et je dois dire que ça commence à rentrer un petit peu. Hein. Hop, on va mettre les lianes là. Hop. Et puis on est parti. On est plus. Par contre, j'en ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin de ça non plus. L'or, je vais le laisser là. Le sable, ça peut servir là-bas. Le bateau, je vais en avoir besoin dans le nether. Ma casaque, je la remets. Mes bottes en or, c'est bon pour passer le. Et hop, on va travailler sur la Z-Wagon. Salut, bisous. Faites l'amour, pas la guerre, mais les gosses sacrés, faites des crêpes plutôt. Ah, Pierre. Salut, Pierre. Et merci pour tes conseils avisés.
faites des carottes, faites des crêpes plutôt que des gosses. Alors, à gauche. Hop. Encore à gauche. Hop, hop. À droite. À gauche. Et puis à droite. Ou des gaufres, ouais, Dudule. Ouais, ou des gaufres. On n'est pas en France, on est dans le Nether. Hop. Boing, boing. Boing, boing. Là, je crois que c'est assez mal fichu, hein. En plus, c'est serveur international. Holicube, hein. Hop. Aussi les bonbons au miel. C'est plus en hiver, hein, la période du bonbon au miel. La last maudite montagne. Elle est énorme. Hein. À péter à la main, c'est pas possible. Hein. Un escalier central pour monter tout en haut. C'est peut-être juste à cause de ça que ça lag, le truc qui se trimballe en l'air. Il y a aussi à mon avis ces zones là, ces zones de recalcul de la lumière qui doit bloc. Alors c'est pas ici qu'il a cassé, hein. C'est de l'autre côté, derrière la bourse. Ah, puis il y a un bacon à la bourse. C'est celle-là qu'il a commencé à casser, je crois. Ah bah tiens, il y a ces... Du coup, si après il vient casser celle-là, je vais peut-être pas me... Remarque, celle-là est énorme. Hein. Ça marche comment les machines là? Si elle est... ils ont dû utiliser autre chose, non? C'est bizarre, les machines ça devrait faire quelque chose de droit quoi. Très facile à faire. Oh, bah, si c'est trop facile, y a pas d'enjeu quoi. La note elle est là. Hein. Celle qui a derrière le. Ah, on le voit pas le. On voit pas mon Z-Wagon. Ah si, ça y est, on commence à le voir. Ouais, cool. Faudra quand même que j'essaye de trouver des diamants pour acheter tout le terrain et le finir, quoi. La TNT vole un peu partout, les explosions sont pas parfaitement carrées. Ouais, c'est... En fait, la TNT, il faut le faire couche par couche, quoi. Faut pas en installer... Faut pas le faire par colonne, ouais. Si on le fait par colonne, ça... Pop, pop, pop.
Après, péter le haut, ça va assez vite parce qu'elle est pas très très. Elle est très pointue en fait. Le problème, c'est la base, mais la base, elle doit plus faire. C'est le haut qui doit faire laguer. Puis, à mon avis, ce gros système là. Roi du jump. Qu'est-ce qu'on fait? On va en haut de la montagne? J'ai pas vraiment envie de bosser aujourd'hui en fait. Bah c'est un test de co hein, donc en même temps Ah par contre il va me falloir un plumard. Ah et évidemment Oh vache. Les lags que ça donne. Ah remarque, j'ai de la laine rouge. On va se faire un bon vieux lit rouge. Comme dans le temps. Comme au début de Minecraft. Ah oh, zut. Reviens là. Oh, Oups. Oh j'ai eu peur. J'ai des problèmes psychologiques maintenant. Hein. Alors je vais mettre mes plumes phalo 4. Gvar. Mes plumes phalo Gvar. Donc c'est chute amortie. Hein. On va dormir et puis on va en haut de la montagne. Je vais faire un tunnel. Vous savez comme dans le Seigneur des Anneaux, la plus haute montagne quand il passe la Moria. Il y a un tunnel, il y a un escalier qui tourne tout autour et qui monte à une tour qui est hyper haute. Bon, on va se faire ça. Ah, oh, c'est pas vrai que j'ai pas réussi. Bon, roi du jump, prise numéro 2. Je pense que si on rentre là, on fait un trou, on tape une trentaine de blocs, et puis on remonte tout droit, ça va le faire. Hein. Est-ce que j'ai acheté de torches? Bon, on va économiser quelques trucs, on va rentrer ici. Allez, 6, 7... Ah, je vois la carte en plus. Ah ouais, mais j'ai pas le... Pourquoi casser une montagne, Pierre? Bah, parle-en avec Fredo. Voilà. Je suis à peu près au milieu là, on voit sur la minimap. Allez. On se fait un escalier. Alors soit on fait du 3 sur 3 ou soit on fait plus large. On se fait du 5 sur 5. Salut Céline. Eh bah bonne promenade du chien Razunt. Et selon où tu es, bah, protège-toi bien hein, parce que. 10h54. Chez moi ça tape pas mal, il fait encore frais. J'ai réussi à descendre la cuisine à 18 degrés ce matin. À 7h. Entre 7 et 8h. Et une fois que c'était à 18 degrés, pouf, on a tout fermé. Ça va monter à 24, 25. L'avantage des vieilles maisons. Donc. On va se faire 1, 2, 3. Pop, on tourne. 1, 2, 3. On tourne. Et à chaque fois qu'on tourne, hop. Donc, 1, 2, 3, on tourne. On est quand même pas déjà arrivé en haut, au niveau 88. 1, 2, 3, on tourne. Ah. Il y a du lourd derrière. Hein. Le truc est là-bas. J'entends.
entends du squelette et j'aime pas ça. Hein. Alors, merci Florent. Que la montagne est belle. Merci Florent, 18e mois d'abonnement. Merci à toi, merci pour ton Twitch Prime. BJ, carotte. Carotte d'émeraude. Merci, merci pour le soutien de longue date. Bon, pourquoi il y a encore du rouge là? C'est quoi ce beans? Puis là. Celle-là, elle sert à rien. Allez, eh ben on continue. Par contre, du coup, là, ça nous a perturbé dans notre... Ça nous a cassé notre élan. On aurait dû continuer. 1, 2, 3. Bah, attends, on va le marquer. On aurait dû... Donc, continuer ici. Voilà, comme ça. Bon, par contre, c'est sûr que ça va nous perturber un peu le... Parce que là on va monter, on va se cogner, donc il faut qu'on se fasse une petite... Où est passé l'autre ? Un petit arrêt, hop, on tourne et on continue de monter. Je vais enlever le... Donc ici, 1, 2, 3, encore un cran. Et ici on met une petite torche et on continue. Donc 1, 2, 3. Ils m'énervent les squelettes. Hein. Oh chouette du charbon. Un, deux, trois. Je m'en vais au bois. 4, 5, 6. Cueillir des cerises. D'un autre côté, si on la tape, on va en avoir des... Pourquoi tu rebouches? Je sais pas, un réflexe. On met une... Hop, on met une torchinette ici et on continue. Salut DigiTailer. Merci Razou Saba pour le suivi. Salut à tous ceux qui arrivent. Salut Manu du 46. Hop. Installez-vous bien. Aujourd'hui on glandouille un peu. Je teste Mako. Et je fais n'importe quoi là. Sur Polycube. Donc ce matin juste une petite coupure. Mais je pense que c'est lié à mon matériel. Je vais être bon pour réclamer une nouvelle carte SIM. Elle est toute rayée. Et merci Superman pour ton Twitch Prime. Troisième mois. Carotte de d'argent. Carotte d'argent. Pop 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 pop. Un, deux, trois. Donc à chaque fois je compte 3 et on tourne. Ah. Oh, jolie vue. Eh, hey, on voit ma... Tiens, on voit la bourse. La bourse ou la vie. Bon, on n'est pas encore tout à fait monté. 1, 2, 3. Donc là, faut qu'on tourne par ici. Et là, on va peut-être se mettre une petite protection. Oh. Il y a même une flèche. On nous a quand même pas tiré dessus, là. Ils ont pas osé faire ça. Hop, allez. Bon, après, si des fois je fais 4 ou autre, c'est pas bien grave, hein, puisque c'est juste provisoire, histoire de monter en haut de la montagne pour voir ce qu'on va pouvoir faire. Alors, 1, 2, 3, hop. Alors, 1, 2, 3, hop. Et salut, Iaia. Si dans ce renfoncement c'est éclairé, le jeu fera peut-être moins de calcul de lumière et moins de lag. Possible,
Possible, possible. Donc je me demande si en fait ça suffirait pas de casser. Ou alors il y a un autre truc, c'est on casse juste au-dessus du renfoncement. Mais on y était là dans... C'était ça le renfoncement? J'ai pas bien fait gaffe. Ah ouais, c'est ça. En fait, il faudrait casser au-dessus là pour voir si c'est ça qui... Parce que je vois pas pourquoi une montagne normale, elle générerait plus de... plus de... des grands coups de lac comme ça, quoi. Quand on est dans des constructions où il y a des tonnes de cubes dans tous les sens, ça fait pas laguer. Surtout l'aspect ici, là au-dessus, qu'il faudrait casser, je pense. Après, ça peut se tester, hein, si c'est juste ça à casser. Alors pour l'instant ils sont pas sur celle-là, hein. Ils sont sur celles qui sont derrière la bourse. Hein. Donc tac. 1, 2, 3. On monte encore haut. Hein. Ah. Oui, ça y est. Oui, nous sommes... Nous avons atteint le sommet. Ah non. Vache. Mais c'est quoi ce bras? Les machines à TNT volantes sont redoutables. Ouais. Ouais, c'est, on a une belle vue d'ici, hein. Ça valait le coup de monter, hein. C'est un peu comme toutes les balades en montagne, en fait, hein. Après en avoir bavé pendant des heures, tu te dis à la fin, ah oh, bah on a bien fait d'en baver parce que c'est drôlement joli. Hein. Il fait nuit ? Non, mais c'est un boulot énorme à la main. C'est un boulot énorme à la main. S'il a commencé à faire ça, je vais le laisser. On va claquer les élytres. Quoique... Ah zut, je l'ai pas... Ah zut, j'ai pas de... Ah, faudrait toujours que j'ai un underchest sur moi. Qu'est-ce que c'est que ce brin? On essaye de se monter au sommet. Bon, puis quand celle-là sera éclatée, ça sera l'autre là-bas qui posera souci. Après, le fait qu'on cumule le nombre de... Oh, vache. Qu'on cumule le nombre de montagnes, doit pas forcément aider. Ouais. Ouais, de toute façon, ça, après, il va falloir que je redescende et j'ai pas les élytres. Ouais, on va pas monter. Allez, tant pis. J'aurais eu les élytres, je serais monté. Par contre, il faut que je retrouve... Ah, brin! J'ai pas noté d'où je suis sorti. Ah si, c'est là. Ouf. Ou alors, je vais chercher les élytres et puis on recommence. Ces blocs cachés. Bah Fredo, elle est toujours là, la montagne. Moi, je trouve quand même dommage de faire ça à la machine. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Fredo. Il y a quand même un petit peu de gâchis dans cette idée-là. Hein.
Alors là, hop. Du coup, oui, ça fait bien 3. Un escalier 5 sur 5, ça fait un rythme assez doux. Je fais payer l'entrée de l'escalier, un diamant. Hop, il me faut ça. Ouf, vache. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'intérieur, pas de lag, hein. Pour le brun, là, il me faut. Ah non, ça, c'est. Le sable, il est là. Pourquoi il y a du gravier dans le sable? Hein, question. Pourquoi il y a du gravier dans le sable? Vous avez 2 heures. C'est pas ça que je voulais faire. Lâcher ça, tac tac tac, web ça, tac. Je vais peut-être en garder un peu quand même, sous le coude, hein, au cas où. Le bateau, j'en ai pas vraiment besoin. Il va pas me servir. Par contre, je vais prendre ça non plus. Je vais prendre les élytres. Peut-être donc du coup. Pico. Wesh. Salut le mineur, merci pour le suivi. Hop, hop. Oh, le beau jump. Hop, hop. Allez. Nous allons la vaincre, cette montagne. Ça, c'est trompeur. Voilà. C'est à chaque fois qu'on est bloqué, tac, petit quart de tour à gauche. Ouf. Oui, alors ça, c'est mine de rien, c'est assez dangereux. Voilà, hein. Puisque je spamme le bouton, donc. Pop, pop. Salut, Docteur Pi. Cette montagne a du potentiel. Alors après, on peut peut-être éventuellement, en se décalant, parce que là, on peut pas, il faudrait aller un petit peu plus, donc vers le nord, pour continuer notre escalier et finir avec l'escalier complètement jusqu'en haut. Ça pourrait être cool. Par contre, là, ça veut dire que bah, pendant un certain temps, il faut monter tout droit. Donc là, si on continue à faire notre 1, 2, 3, bon, on est ici. On peut avoir un petit passage à l'extérieur, hein, c'est pas gênant. Ici on se le bloque. 1, 2, 3. Et on continue comme ça. Ah non, là on est à 4. Pardon. Hop. Et là, eh bien, il faut encore taper au moins peut-être une dizaine de blocs. Pouvoir refaire un petit virage. Donc là, on va mettre une petite torche. Encore un. Allez, encore deux. Et hop, on vire. Donc 1, 2, 3, hop. On tourne. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Je m'en vais au bois. Ça m'énerve, je me suis mis cet air. Ah, brun.
Quelle est l'andouille qui a pas pris de bois? J'ai du charbon. Ah, parce que Yogusti, dès que tu en fais quelque chose, il n'y a pas d'arbre là. Il hein. N'y a pas un pet d'arbre. Bon, redescente. On va chercher du bâton. Allez, hop. Bâton là-dedans. Ouais. 16. Ouais, ça va faire un stack. C'est bon ça. Hop, allez, c'est reparti. Ça, je tiens, on va la noter comme ça. Allez, on est reparti pour remonter. Ça fera rien que la troisième fois. J'espère que j'ai rien oublié. Troisième sera la bonne. Peut-être qu'on peut mettre une petite torche ici pour dire je suis passé. Hop. Si haut que ça, hop. Alors 1, 2, 3. On est censé tourner là, mais on va peut-être faire plus court là. Hein. On s'adapte. Hein. On s'adapte aux turpitudes du relief. On doit plus être très loin. On est à 183 de haut. Oh, il fait nuit. Et les gars, de nuit, pop, on se tape un Wither. À l'aise, quoi. Tiens, il y a la cochonnerie volante. Sommet. Ouh. Évidemment avec mon vertige. Salut Marco Morst. Et merci Ange. 22 mars 2012. Merci pour le suivi. Est-ce qu'on le fait sauter ça au moins? On est d'accord que c'est moche et pas... Hein. Par contre, je remonte comment, moi, comme ça? Ah ouais.
peut faire un chemin pour aller jusque là et le faire sauter. De toute façon, j'ai les élytres. Alors ce chemin, par contre, j'ai pas pris. Ouais, j'ai toujours pas de bois. Donc tant pis, on va le faire à la. Ouais. Au passage, on va faire. On va casser celui-là. Voilà. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Hein. Oula. On regarde pas. Je ferme les yeux. Hop. Je regarde que le bloc gris. Voilà. Le RP ça va 5 minutes. Hashtag le RP ça va 5 minutes. Non mais t'as vu ce qu'ils nous ont généré aussi et... À un moment donné il faut dire stop. Et pourquoi, question, pourquoi c'est le type qui a le vertige qu'on envoie casser le machin hein, tout en haut hein. Bon j'ai des élytres, je crains rien. Mais ça n'empêche pas. Moi je reste au milieu, comme ça c'est bien. Hop. J'ai entendu de la... Mais de la TNT, j'en ai pas. Hop, alors là, c'est un coup. Je suis pas doué avec la TNT. J'ai un problème. Elle a une fâcheuse tendance à m'exploser dans les pattes. Je sais pas pourquoi. Hop. Qu'on soit redescendu sur le niveau au niveau du sol. Oula, respire un grand coup. Ouh. Pourquoi le full faire? C'est plutôt pourquoi pas. La réponse est pourquoi pas. Ouh. Ah ouais, j'ai fait mon chemin. Ouais non, c'est bon, je vais pouvoir tout casser là. Hop, 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 hop. Je repars dessus. Oh, on va réussir à faire ça proprement. Enfin proprement. Ah. Peut-être pas si proprement que ça du coup hein. Ça descend jusqu'au bout ce truc. Ah, c'est... Hop. Ouh là là, pas à l'aise, pas à l'aise. Un beacon pour 15 blocs. Vous inquiétez pas, je vais pas faire tout ça. Hein. Je fais que le truc volant qui était moche. Alors je recule parce que je sais que il n'y a rien derrière. Hop. Ça c'est les blocs que j'avais rajoutés. Voilà. Bon ben voilà, mission accomplie. On va mettre une torche. Oh ben je peux redescendre, j'ai les élytres. Hop, allez. Il y a rien d'autre qui traîne hein, là, c'est bon. Non mais si Pierre le fait avec des machines, je vais pas le faire à la mano. Hein. Je voulais juste faire sauter cette petite crotte là qui m'embêtait. Après le pic en lui-même, il me gêne pas. Allez, hop. YOLO. Tiens, on va aller voir leur... leur machine.
Ah oui, il y en a plusieurs. Ouais. Pop, 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 pop. C'est là qu'on se prend un bloc. Blanc, aïe! Ça, on est où au fait le... Ils ont retrouvé les diamants? Ouais, donc ce qui pose problème, je pense, c'est cette... Oula! C'est cette cavité là. Donc éventuellement... Oula! Ce qu'il faudrait juste casser. Alors attends, c'est ce morceau là. Ouf. Juste au-dessus. Cette plateforme là, ces trucs là quoi. Oh, une feuille d'érable. Arrondi, formidable, très bel atterrissage. Bon après le, on est d'accord que la pointe est pas forcément jolie, mais au moins il n'y a plus cette espèce de crotte qui tournait. Et peut-être qu'on va avoir un chouï de lag en moins, peut-être. Du coup, le soleil carré, bah oui, normal, on est dans Minecraft, tout est carré, c'est le monde du carré, Pierre, tu découvres. Non, j'ai pas mis. D'habitude je joue toujours avec l'Onigiris. Et je l'ai pas mis là. Donc on a un soleil carré. Pop, pop, pop. Allez, on met ça bien à l'abri. Hop. Non, c'est ici qu'on met les cochonneries. Enfin, les cochonneries. Tout est relatif, hein. Bon, qu'est-ce qu'on... Oh, j'ai récupéré de la neige, Joe. Ah oui, parce que j'en ai tapé avec... J'en ai tapé avec ma pelle. Tiens, je vais récupérer ça au passage. Et puis, on va casser du charbon avec la fortune. Ça va être sympa, ça va me défouler. J'ai besoin de... Je sais pas pourquoi, j'ai besoin de me défouler. T'as fini de promener... T'as fini de promener ton chemin. Hop. La fortune. Souris aux audacieux. Si elle pouvait sourire. Elle fait surtout la tronche, ouais. Hop, on va dormir. Oh vache, les lags qu'il y a ici. Bon, il y a toujours les lags, hein. Donc... Il fait pas nuit? Ah non, il fait pas nuit. Donc c'était pas... Déjà, on peut dire que c'était pas la crotte qui flottait, qui faisait le lag, hein. Quelle heure il est? 25. Il nous reste... ...35 minutes de live. Je vais pas aller plus loin que midi, hein. Je referai un deuxième test à 14h. De 14h à 16h30. Et du coup... Ah, salut G1, je t'avais pas vu. Du coup, on fera des trucs plus. On fera peut-être un quoi qu'on fait. Si je vois que ça tient le coup, on fera peut-être un quoi qu'on fait sérieux.
Où là je termine. Il y avait les bords à terminer. Il y avait les bords à terminer, la bande orange et puis la bande blanche. Donc le début du. C'est à cause de la stonk que ça lag. Riley veut organiser un jeu dont le prix est une pioche fortune 5. Mais tu ne dis pas qu'elle a touché de soi. Tu peux mettre touché de soi et fortune 5 sur le même. D'abord, ça va pas plus loin que fortune 3. Fortuno 3. Mais c'est sûr que si t'as Silka Toucho, je crois. Dans mon esprit, on pouvait pas mettre les deux ensemble. Y'a pas de toit? Bah, pas encore. Attends, il faut le construire. Qu'est-ce qu'on fait? On va se balader ou. Bon, après, j'ai rien prévu. Hein. Qu'est-ce qu'il y a sur le truc? J'aurais bien été en kikiné les taux, mais. Ouais, c'est Feus dit Fortune 3 max et Yaedia confirme qu'en Vanilla, on peut pas mettre les deux. Ouais, après, il faut trapicoter. C'est bien l'acheton qui fait laguer. Ouais, en plus, ça, je crois que c'est un truc à l'acheton que ça. Ah non, c'est Gold. Gold, c'est pas l'achetonk. Non, l'achetonk, c'est Jimmy, Ika, Vartak. Pierre, Pierre. Même le magasin de Redstone, de poudre rouge, de pierre rouge, c'est même pas Épierre qui l'a fait. Un peu déçu, non? Bon, allez. Bon, il reste 30 minutes. On va bosser là-dessus. Il faudrait que je fasse le toit aussi. Et puis que je prépare des carpettes. Ah ouais, ben je pourrais aller faire ça. Un peu de brandade. Ah, j'ai l'escalier à faire de l'autre côté. Ici, il me faut des carpettes colorées. Ça fait combien? La surface fait combien? Alors déjà, est-ce que je fais un petit mur? On va arriver ici. Alors soit c'est complètement noir et tout le sol est coloré avec des carpettes. Éventuellement, ça peut le faire. Et du coup, je remonte tout le... Ah, le béton noir... J'en ai loupé... Ah, c'est pénible, le béton noir. Faudrait presque que je me remette le... Le ressource pack que j'avais pour la saison 4, où le béton noir, je le faisais apparaître en gris avec des liserés. Ce qui permet de voir un peu mieux ce qu'on fait. Donc, mur noir ici, mur noir ici, plancher là-bas. Alors, je sais pas de quelle couleur. Et ici, on peut aussi habiller avec... peut-être tout en noir, du coup. Qu'est-ce que ça ferait une pièce complètement noire, mais avec le... Le plancher en carpette multicolore. Bien vu, J1. Je la testerai entre midi et deux. Donc, il me faut la surface du truc. C'est-à-dire que là, on va... Bon, mettons grosso modo, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et ça, bah, là, on mettra du... je ferai un rhabillage en noir. Donc ça fait 20. Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Donc 15 a priori, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 20 sur 15. Ça veut dire qu'il me faut 300 carpettes. Qu'est-ce que je compte bien? C'est du shit de game. Ah, puis, surtout, j'ai pas les commandes. Hein. Je suis pas OP hein, sur le serveur.
Bon, on va aller faire ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est le... C'est l'escalier, si j'ai de la pierre noire, pour l'autre. En fait, c'était assez simple, hein. C'est de la pierre noire poilue. Oh, bah, eh. Il en faut combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deux fois. Il en faut 14. Pratique. Et après le reste, c'est des dalles ou c'est du bloc? Là, c'est un bloc. Et là, c'est des blocs. Ok, doc. Bon, bah, ça, il n'y a même pas besoin de... On peut le faire direct aussi ici. Hein. Hop, 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 hop. Tiens, la fortune, on va aller la ranger. Hop. Donc... je montais de combien? Un, deux, trois, et on met un bloc. Donc on monte de... je m'en vais au bois. Là, il nous faut... pop, pop. Ah, j'avais pas besoin de mettre celui-là, puisqu'il suffisait de mettre celui... Ah là 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 là. 1, 2, 3. Je mets support ici. Hop, ici, je l'utilise. Et là, on remonte. Ça on le casse. Hop. Je crois que j'avais mis comme ça. Par contre, on va mettre un petit coup de F7 parce qu'au niveau des torches, c'était pas fait comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4. Hop. Ouais, c'est ça, J1. Je fais un magasin aux normes Covid. J'entre dans une... Il y aura une entrée. Alors l'entrée par exemple, ça sera ici. Et la sortie, ben, ça sera ici. Avec séparation, barrière et tout. Ouais, normes Covid. Hop. Alors les torches, j'avais fait comment? Ah, je les avais mis en bout. Deux face à face et deux en bout. Et puis une en haut. Ah bah, hey. J'aurais peut-être pu en mettre en haut, hein, pépère, là, parce que ça va pas, cette affaire. Voilà, c'est meilleur. Ouh là là, c'est pas bien. Oh, ah tiens, pourquoi... pourquoi sur l'autre ça marche? Qu'est-ce que c'est vos histoires de 60 diamants? Et salut tournesol. Ça va combien? Ah, ça va coûter combien mes séjours? 60 diamants. Eh mais ça va être du grand luxe, hein. Mais ça sera pas 60 diamants parce qu'on n'est pas comme ça, nous. Comment ça se fait que ici avec une seule torche? J'ai pas de... Ah, parce que je dois avoir l'éclairage en dessous. Ah, c'est l'éclairage en dessous qui fait le truc. Et t'as vu, la lune, elle est ronde? Bon, ben, non, tu l'as pas vu. Voilà. Ici, il y a une torche. Et du coup, ça éclaire ici. Et voilà. Merveilleux. Fantastique. Voilà, c'est tout bon.
Bon, bah, j'ai fait chez deux côtés. Content, on est assez content. Hop. Du coup, si ici c'est la sortie, on l'éclaire pas. Du coup, comme c'est éclairé en plus en bas, par contre là on le signale. C'est bien l'entrée qui est ici. Je n'aurais pas mis de côté sortie, après tout ils auront payé les vacanciers. Alors, ah ouais, Grisabeth Ono, du coup, je dois avoir un trou quelque part là. Ah ouais, ici. Voilà, c'est bouché. C'est tout bon. Et là, il me faut deux. Ah, je les ai pas faits. Il me faut deux murets pour pas qu'on tombe, pour pas que le client tombe, parce que après sinon il va nous faire un procès, hein. C'est bizarre qu'ils aient pas encore fait un système. Ah ouais, si, il y avait un tribunal, mais le truc. Oh, il y en a même deux de machin à scier. Quand même drôlement bien fichu, hein. Alors le muret de pierre noire poilue. Vous en mettrez deux, madame. Hop. Et c'est pour ici. Et voilà, on est tout bon. Voilà, c'est fait. Ah, par contre, il me fallait un truc noir là, boucher. Ça, je peux le faire hors time-lapse. Et puis, on va aller se faire 300 carpettes. Alors, quelle couleur on va choisir? Du pétant, hein? Du rouge, du jaune, du bleu, du orange. Il faut que ça pétouille, hein? Il faut que ça envoie. Schlack. Faut que le gars il s'en souvienne de son séjour, hein. Oh, je prends tout, hein. Ça je le remets, le gris, bah, le gris y en a pas beaucoup, hop c'est bon. Du coup la distance entre deux clients c'est un bloc, et moi je vais faire du Covid strict, ça va être 10 blocs. C'est pas vrai que c'est du ciment que j'ai pris, c'est pas du béton. J'ai pris de la poudre, du cemento, alors qu'il faut prendre du bétono. Et là, tu te dis, bah il y en a pas en fait. Hein. Bon, ben bah, on va en faire. Hein. On a pas besoin de beaucoup. Hein. Ah, il va en falloir pour tous les côtés que je veux faire. Bon, on va se préparer ça pour cet après-midi. Ouais, le bleu ciel, pas le bleu foncé. Donc là, c'est le bétono, pas le cemento. Hop. Et j'ai un trou ici. Voilà, c'est réparé. Donc il va me falloir du ciment pour faire tout le. La pièce va être complètement noire. Éventuellement, on pourra mettre de la lumière quand même, hein, au mur. Non. Ça fait pas hippie, le noir. Salut, Valois. Valois quoi? Non, ça me va pas, le noir. Mais il faudra un truc qui aille avec la carpette multicolore, hein. Et ça c'est aussi un truc mode anti-prank. Quand les gars ils vont voir la déco, ils vont dire ah bah on peut rien rajouter de pire, hein. Peut-être les mêmes couleurs que la carrosserie. Cyan, orange et vert clair. Mur végétal, ça va pas être évident, hein. Mais du rose comme le logo Austin Powers. Rose, ça se fait comment? C'est blanc plus rouge. Il va me falloir du rouge. Ah, le rouge, c'est pas compliqué à voir, ouais, avec les fleurs. Il faut juste que j'ai de la poudre d'os.
Je suis en nage. Bonjour à tous. Salut à toi, Lio. Merci, merci pour les 100 bits. Alors, le Nigrasemento. Hop. Ouais, je veux du rouge. Normalement, j'ai une fleur là. Hop. Ah, ce qu'il y a, c'est qu'il faut l'arroser avec de la poudre. Ouais, c'est ça. Rose Colora Tincturo. Et on fait le mur complètement rose. On est bien d'accord. Hein? Le truc immonde. Combien j'en ai? Moi 8. Moi aussi, déjà, il y a un certain âge. Pourquoi? Ah, réponse à je suis en âge. Merci, J1, pour les 100 bits. Fâche les gars qui partent trop vite. Oh, j'ai pas vu que Roi-Louis avait fait un re. Je suis complètement à la ramasse ce matin, moi. Pop, 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 pop. Je dis au revoir quand c'est trop tard. Bon, du gravier. On va faire un petit test, hein, de... Alors, on va enlever le F7 ici. Alors, on va jusqu'à 32. Hop, 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 et le gars, il a quand même pas de chance. Il a 4 mots à écrire. Des mots monosyllabiques, il arrive encore à faire une faute, quoi. Mais c'est un verbe du premier groupe. C'est les plus faciles. Et t'es même pas capable de l'écrire proprement. Après, il y avait quand même une certaine notion de rime. Ça faisait un peu poétique, quoi. Les rimes en U. Il a peut-être 3 ans et à ce moment-là on dit oh, c'est beau quand même, hein. 3 ans t'es sur Twitch pour te faire bannir de tous les lives. Tira loin, petit Kevin. Ah non, Cam Blue du 7-4. Ouais, du 7-4. C'est vrai que c'est un coin de voyou ça, le 7-4. Allez, hop, un peu de jump. Ouh. Ah bah oui, mais j'ai plus à manger, c'est pour ça que j'ai loupé. Je mange toujours que de la patate parce que je suis pas à niveau avec ma morue, hein. Donc salut Yubi. Toc, 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 toc. On l'essaye sur le truc, je le recasserai pour du coup j'aurais pas besoin de tant de... Ouais, parce que noir ça va faire tristoun. Alors que... Après, faut voir, j'ai combien de hauteur? Ouais, rose, ça fait quand même tout de suite... la noire, ça fait un peu gothique. Rose, on sait tout de suite que, voilà, on va vendre du séjour de rêve et... hein. Ah, je le casse parce que je le referai tout à l'heure. De toute façon, il va m'en falloir plein. Tu n'as juste pas l'habitude de te lever si tôt un samedi matin, mon commandant. Non, non, mais je suis levé assez tôt. Hein. Et c'est vrai que le matin, c'est dur. Hein. Salut Calypso. C'est un test, hein, pour le samedi matin. C'est parce que comme il va faire très chaud... Je préfère... je voulais retester Mako. Et donc je voulais faire un test ce matin dans des conditions normales. Alors j'ai eu une coupure, mais je pense que c'est à cause du routeur.
J'ai ma carte SIM qui est dans un état, elle est complètement râpée. Et de temps en temps, plap, il me dit, le routeur dit, vous n'avez pas de carte SIM. Ah. Au moins en rose, tu présentes la promesse de voir la vie en rose. Merci, G1. Et donc cet après-midi, je referai un test, mais de 14h, je pense que j'arrêterai à 16h, parce qu'après, il va faire trop chaud de toute façon. Et puis moi, je dois partir après, de toute façon, j'aurais pas été plus loin que 17h, je dois partir. Par contre, il va nous falloir combien de blocs? J'avais calculé, j'avais 20 sur 15. 40, 30, donc le périmètre fait 70 à peu près. J'ai un périmètre de 70. Vous savez ce que c'est que le périmètre? Est-ce qu'il y en a qui savent pas ce que c'est que le périmètre? Salut Lord Scrag. C'est pas une question pour se moquer, hein, c'est parce que des fois il y a un jeune public, surtout le samedi matin, il pourrait se dire « Ah, ben je l'ai pas encore vu à l'école. Je suis en seconde et j'ai pas encore vu ce que c'était. » Et la hauteur, eh ben c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ouais, mais non, attends, il faut que je monte jusque là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le plancher, il sera là, hein. Et ben même le text-to-speech, il est, tu l'as claqué. Ah, j'ai eu 87 images perdues, là. Alors, le périmètre, on voit ça en 6e. Oh, mais je suis pas au courant, moi, des programmes. Hein. Brice. Vous avez vu la forme olympique des jeux de mots pourris que j'arrive à sortir, hein. Ah ouais, tu t'es fait, il s'est fait, ton message s'est fait plaque. Ah ouais, parce que t'avais parlé de râper de l'emmental. Ouais, donc non, mais ma carte SIM, à chaque fois que je la sors de mon portable, hein, j'ai un petit... Bah j'ai ça là, je sais pas si vous allez le voir. J'ai un petit tiroir comme ça. Et donc il sort... Et à chaque fois, ça le rappe. Ça fait une trace sur les contacts de la puce. Et Z, tu sors. Hop. Donc je vais en redemander une, ouais. Ouais. Bon, le problème c'est que ça va me faire des... ça va me faire des sous, quoi, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'ils demandent des frais, je crois. Hein. Quoique maintenant, on les a à vie, hein, quand on continue un machin. Je sais pas. Peut-être qu'au bout d'un certain temps, elle est gratuite. Mais je vais en redemander une, ouais, de toute façon. Salut Mika. Salut Fabien. Donc, j'étais en train de calculer. On était en train de calculer combien il nous fallait de blocs roses. Et on les montrera cet après-midi. Donc, je ferai le live traditionnel à 14h cet après-midi. Mais on l'arrêtera à 16h, 16h15. Pour dire d'échapper à la canicule. Donc, j'ai un périmètre de 70. Je veux monter de combien? Vous vous souvenez combien on avait calculé? 12 au moins, hein. Ça nous fait 840 blocs. Je vais diviser par 64. Ah, il faut quand même 13 stacks. Ah, il va falloir faire du rose, hein. Bon, ben au boulot, hein, si on veut préparer ça
C'était 13 de haut. Qu'est-ce que j'ai fait de ma calculatrice? Donc 70 x 13. Ah ouais, on est à 910. C'est déjà nettement. Donc là, on est à 14 stacks, quoi. En tout cas, sur Twitch, tu peux pas râper du fromage. Et salut à tous ceux qui arrivent, salut Ziggy Pop, salut Nathan Sim, merci pour le suivi. Salut Lilomine. 5 ou 10 euros de frais de port. Ouais, je crois que c'est le... En fait, c'est gratuit, mais c'est le port qui. Schlack. Alors que c'est envoyé dans une enveloppe, hein. Standard. Hein. C'est des voyous, c'est des voyous. Mais et puis je vais peut-être aussi essayer de faire un test chez un autre fournisseur. Voir. Bah ouais, le rap c'est bien. C'est monsieur Dirt. Bon ben on va aller faire de la. Bah tiens, je vais descendre. Ça c'est la sortie de secours. Bon, elle aura disparu, hein. Parce que c'est trop dangereux, il y a des clients qui vont tomber. Pour l'instant, j'en ai un. Il m'en manque plus que 13. Où est-ce que je vais le stocker? Tiens, on va le stocker là. Donc, il faut que je fasse du rose. J'ai de la chance, j'ai du colorant blanc. Donc pour faire... Niveau de maths trop compliqué. J'ai mal à la tête. Eh ben on va continuer à faire un peu de maths. Tiens. On veut 14 stacks, 21. En fait, on en a déjà fait un. Ça veut dire que ça fait multiplié par 64. Ça fait 846 blocs. Pour faire 846 blocs, il me faut un colorant pour en faire 8. Donc il me faut 105 colorants rose. Donc il me faut 52 rouges et 52 blancs. On est d'accord? Salut Antalior. Je sais pas vu. Vous êtes arrivé à toute une tralée. Ça défile trop vite après. Pouf. À mon âge, je vois plus les trucs pousser. Hein. Et salut Diablant, eh oui. Mais les banques. Je fais un phare? Non, je fais une voiture. Ouais, ça boucle. Ça. Parce qu'en fait, quand on fait... Tiens, je vais prendre du sable. Je vais prendre du gravier. Si je fais... ça, j'en ai bien 8. Donc avec un colorant, je fais 8 blocs. On est d'accord. Donc il me faut de la poudre d'os. Elle est où la poudre d'os? Elle est là. Parce qu'il va me falloir 52 rouges. Donc il me faut 26 fleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Machine à dupliquer, non, c'est pas, ouais, c'est pas le style. Donc, 52 et donc 104. 104 Peugeot. Pourquoi j'ai calculé qu'il m'en fallait 52 alors que j'en voulais
Ah non, j'en veux 105. Ah non, c'est bon. Ah oui, là j'ai mal écrit, donc je lisais 125. 125 centimètres cubes. Il y a des déformations, hein. 104 Peugeot, 125 centimètres cubes. Tu vois des chiffres et puis tu dis n'importe quoi. Salut Banca, merci pour le suivi. Salut Darkouz. Il est agréable, Mister Dirt. Au revoir à toi. Bon, Jay, ça va devenir compliqué. Ouais, mais à mon avis, ils vont vite pallier le coup de l'espace. Hein. Ah, bah, ouais, la synthèse vocale, elle va pas aimer. Ouais. Donc, c'est tout bon. J'ai tous mes colorants. Donc, je peux faire mon béton. Et là, c'est après coup. On va pas tout faire d'un coup parce que si en cours de route, on s'aperçoit que c'est trop splash. Hein? Vous m'avez compris? Ça serait. Qu'est-ce qu'on va en faire après de notre colorant, notre béton rose? On va le vendre? Il n'y a personne qui va en vouloir. Hein? Personne. Hein? Tiens, lâche tonneau. On a un petit coffre pour l'achetonneau. Pop. Alors, du gravier. Faut du gravier. Pac, pac. Il m'en faut plus en fait. Hein. Je vais quand même en faire 8 stacks. Ouais, 8 stacks, ça devrait aller. Et pouf! Bon, ben il n'y a plus qu'à le. Et là, par contre, c'est quoi la technique? Je me souviens plus du coup parce que je la fais très peu. La technique pour le faire en automatique. Faut faire un trou. Ah ouais, mais faut taper à la pioche. Donc il faut avoir de l'obsidienne. Est-ce que j'ai de l'obsidienne sur moi? Non, j'ai pas d'obsidienne. Ça c'est du charbon. Je vais pas avoir d'obsidienne là. Non, bah tant pis, on va le faire en classique. Espéranto, ouais, ça se place comme une langue internationale, ouais. Un outil de communication entre les gens qui ne parlent pas la même langue. Tiens, pourquoi elles sont revenues ces torches-là? Je les avais enlevées. Ah ouais, mais c'était quand j'avais tous mes problèmes de co. Ah non, c'était plus loin là-bas. Ok. Ah, salut Calypso. Ouais, bah nous, je vais encore rester avec vous le temps de faire un ou deux stacks. Et puis je coupe, je vais manger. Je me repose bien, tranquille, peinard, au calme, au frais. Et puis à 14h, je reteste. Hein, donc là, on est dans nos périodes de test. Ah ouais, du bois. Oui, exact. Oui, le bois avec la pioche, il passe mal. Bon, là, j'ai fait ça. Je le fais. En plus, nickel chrome. Oh, vous avez vu. Quand t'as une descente, ça va nickel à casser. Et après, pop, pop. Ouais, mais monter le mur, c'est pas RP. C'est pas mais dans un trou, tu crois que c'est RP? Ah, déjà un peu plus quand même. Hein. Après, il y a la colonne aussi. Hein. Le problème, ça, c'est qu'avec les lags ici, la colonne, c'est pas top. Voilà.
Twitter, spam le bouton, c'est tranquille, c'est peinard, on peut discuter. Ouais, je suis toujours avec la même carte SIM, la rayée. Donc elle m'a fait un petit coup de Trafalgar ce matin, et puis là depuis ça tient. J'ai juste eu 87 images perdues sur 1h30 de stream. Ça peut aller. Je pense qu'on verra cet après-midi. Cet après-midi, je vais essayer de planquer le routeur pour pas qu'il soit du tout au soleil. On verra ce que ça donnera en impact sur la bande passante. Hop, là j'en ai fait combien, mine de rien. J'en ai fait 2 stacks et quelques. Bon, on va essayer la technique spamage. Non, non, il n'y a pas de... Ça change pas au niveau lag. J'ai toujours des coups de lag. Donc, c'était pas... Ça confirme que c'était pas la crotte qui traînait en haut qui faisait laguer. Non, je pense que... ce gros bazar, là, où il y a du recalcul de lumière, ça doit jouer. Mais bon, on le regarde pas tout le temps. Donc, a priori, le jeu n'a pas recalculé la lumière et on se prend des coups de lag, alors. Là, par exemple, on n'est pas du tout en train de le regarder. C'est bizarre, hein. Alors, expliquez-moi, pour les professionnels, comment on fait. On fait un trou. Ah, mais j'ai pas du tout de bois. Attends, c'est pas vrai. Ah, si, si, j'en ai. On fait un trou double. Heureux. Donc, au fond d'un des trous, je mets... Donc là je fais couler de l'eau. Je mets, alors je sais plus ce que je mets. Je mets le bloc dans la deuxième main. Et je tape non, c'est le contraire. Je mets la pioche et le bloc. Non, c'est pas ça. Ah, je m'en rappelle plus. Parce que là je le fais à la main. Clic droite marche pas. Non, ça doit être l'inverse. Faut que j'alterne clic droit, clic gauche. Ouais, mais c'est pas... Non, c'était pas ça. Je crois qu'on spammait le machin. Faut cliquer sur les deux boutons. Ah ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Merci Tarkus. Merci Leto pour l'hébergement. Et salut aux Letosiens. Letosiens, Letosiennes, bienvenue. Malheureusement, je vais pas tarder à arrêter également mon stream. Puisque, bah oui, à midi, on va manger. Les vieux, ça mange à heure fixe. Hein. Attends, non, c'est là. Sinon, on dépérit. Ah, ben... Bon, on repart dans les calculs. 1h30 de stream, 129600 images à 24 images secondes du coup. Ça fait 007 images perdues et à 60 images secondes, ça ne fait plus que 003. Merci J1. Voilà, maintenant on a mal à la tête. Alors, hop. Voilà, ça y est, c'est parti. Le démarrage est un petit peu difficile et après, une fois que c'est parti, c'est parti. Ce qui est dommage, c'est qu'il alimente pas automatiquement la deuxième main. Que du coup, après un stack, hein, tu vois, c'est le gars vraiment, vraiment feignant. Hein, feignant jusqu'au bout. Non, il n'y a pas de raison. Salut Nessa. Merci Oxy pour le suivi. C'est la faute de Morgane. C'est vrai que c'est quand même plus rapide. Bon, par contre, on s'ennuie. Hein. Moi, ma technique où je cours après, je joue avec mon petit seau d'eau, tout ça, c'est rigolo, non ?
pop, pop. Ah bah oui, c'est pas là, c'est là. Je me disais, ah, ça marche pas. Petits blocs qui dansent, ouais, puis surtout des blocs roses. Donc, programme de cet après-midi, on fait la Z-Wagon, on fait la pièce du dessous, la pièce de dessous de la boutique, là où on arrive. Ah oui, il faut qu'on bosse sur l'escalier aussi. Ah. Mettre un petit système avec observer et dropper pour recharger en automatique. C'est-à-dire que le dropper il te rechargerait ta main gauche. Et si tout l'inventaire est plein, peut-être qu'il recharge il recharge la main gauche. Mets un entonnoir en dessous. Et pour faire deux stocks. Pour parler poliment, vous allez me lâcher les. Les blocs. Voilà, il est 12h, on se lâche. Passé minuit, les enfants sont couchés. Ah non, il est midi. Ah zut. Bon, ben, on a fait nos stacks. Impeccable. Oula, oui, joli petit coup de lag. Donc, au niveau. Bon, il en fallait 14, on en a déjà pas mal. Pense que ça ira parce qu'on a j'ai dû probablement me tromper dans les calculs. Par contre j'ai mon seau qui est vide. J'avais pas fait un. Ah bah si j'avais fait un. J'avais fait une source d'eau infinie. Ah, je préfère ça. Ça marche, les blocs sont les sphères MC. Les blocs sont les sphères Minecraft? Prends pas. Fredo découvre une commande. Aïe 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 aïe. Bon. Donc, on va se laisser là pour aujourd'hui. Je vais aller manger. Donc, malheureusement pour les Létosiens. Cet après-midi, on continue le Z-Wagon. Donc, il faut que à l'intérieur. Oups. Donc, on rentre. Ici, tac 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 tac, on arrive dans la pièce. Là, actuellement, c'est non, c'est sombre là. Ah. Donc, paf, un truc multicolore au sol, les murs roses. Et puis là-haut, du coup, faudra comment voir comment on fait le plafond. Peut-être un des raies jaunes. Des rayons de lumière qui partent du centre et qui vont vers l'extérieur. Donc à partir du centre là. Et ça pourrait servir de plancher. Du coup, ça pourrait servir de plancher à la boutique qui sera donc au niveau blanc. Donc on se finira tout ça. On se fera ça cet après-midi. Donc 14h, rendez-vous 14h pour un nouveau test de connexion. Ça passe ou ça casse. Et je liverai maxi 16h30. Si la connexion tient, je liverai maxi 16h30. Donc, je vais vous souhaiter un bon appétit. Merci aux modérateurs, merci aux donateurs. Des gros bisous à vous. Merci à vous, les spectateurs. Donc, 14h, 16h30, petit live tranquille. On se continue la Z-Wagon. Oh. Oh, il est joli ce logo. Et puis, et ben, à tout à l'heure, ou alors après, donc ça sera lundi matin, 9h, on se retrouve en live. Des bisous, à tout à l'heure, ou à plus tard. Au revoir.